problème, c'est que l'Europe, c'est quelque chose de nouveau. La démocratie européenne est en construction. Et ça met du temps. Oui, mais on a l'impression que c'est nouveau et en même temps, ça fait un moment. Oui, la France est devenue... Et que ça fait longtemps que c'est nouveau. Alors, on se dit, mais où ils vont, quoi. Voilà, je vais vous donner un exemple. Pour ce que vous disiez, l'Europe, c'est longtemps. L'Europe, ça fait une quarantaine d'années. Oui, oui. D'accord. La France, le moment crucial de la France, on se met au garde à vous, c'est la Révolution française, 1789. Hein, c'est le grand moment de la naissance de la République. Ouais. OK ? Déclaration universelle des droits. Quand est-ce que la France est devenue une démocratie ? Je ne sais pas si... est-ce que c'est une démocratie aujourd'hui ? En tout cas, une monarchie républicaine, on dit. Oui, non, mais ça, c'est... En tout cas, moi, j'ai une date précise. 1945. Pourquoi ? Parce que c'est là que les femmes ont eu le droit de voter. 150 ans après la Révolution française, la France est devenue au moins une démocratie où tous hommes et femmes étaient égaux. Donc, la construction de la démocratie française a duré plus d'un siècle, avec des hauts et des bas. D'accord. Donc, quand vous me dites la construction, ça dure de... Qu'est-ce que c'est ?